est là dans les moments de crise. T'as des problèmes mais c'est là que tu pries. En champion on vole comme des pros, car on sait que l'État nous voit comme des proies. WZ depuis le berceau, c'est les bruits des boosters qui nous a bercés. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Et l'équipe, bon c'est parti pour une petite vidéo actu. Bah on est jeudi là. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur Rousse 63 sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit vidéo, un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Gazo qui a supprimé toutes ses publications sur Instagram. Et il a même supprimé sa photo de profil, c'est vraiment bizarre. Je pense qu'il y a un projet ou une annonce qui devrait arriver de sa part dans pas longtemps. Ensuite l'équipe, là j'ai une actu qui date d'hier, mais vu qu'on n'a pas fait de vidéo actu, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'actu, eh ben je vous en parle aujourd'hui. Bref, on a le S-Crew qui sortent leur nouvel album, qui va s'appeler SZR 2001, et qui sera disponible ce soir à minuit l'équipe. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Soul King pour son featuring avec Uzi, qui est présent dans le nouvel album de Uzi, qui sortira le 24 juin. Bref, mais le truc c'est que Soul King, il est signé chez Apanchi, et Booba et Fianso, on sait qu'il y a des tensions, donc c'est vraiment bizarre. En gros, comme tu peux voir, Booba lui a laissé un message en disant « Retrouvez Booba sur le deuxième album de Uzi, le 24 juin, le feat avec Soul King, gros hit. » Donc voilà. Donc ouais, en gros, c'est bien un message visé spécialement pour le featuring de Soul King et Uzi, tu vois. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et le truc que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que Soul King, il a répondu à Booba. Comme tu peux le voir, il lui a dit « Merci et grosse force, frérot. » Et il a identifié directement officiel Uzi. Donc voilà. Donc ouais, il a bien répondu à la publication de Booba, donc ouais, il n'y a pas de tension entre Soul King et Booba, malgré que Soul King, il est chez Apanchi, t'as capté. Ensuite, en parlant de Booba, Booba, il a même annoncé un featuring avec Chimal. Ça va être vraiment énorme. Comme tu peux le voir, Booba, il a dit « Un feat entre Chimal et Booba vient d'être enregistré. » Et il a mis un smiley avec des yeux et bref, une alerte. Donc voilà. Donc en gros, il a fait l'annonce lui-même, tu vois. Ensuite, ça je m'y attendais pas du tout, il y a un clip entre Huss l'Enfoiré et Mick qui a été tourné il y a quelques jours. Et franchement, cette connexion elle me fait grave plaisir. Et elle devrait sortir dans pas longtemps l'équipe. Huss l'Enfoiré et MIG Moula, on assassine. Ensuite, en parlant de sortie, on a le nouvel album de Sosomanes qui s'appelle À l'aube et qui sera disponible ce soir à minuit l'équipe. Ensuite, on a Cynic qui a donné une interview pour Click et dedans il a donné son avis sur Snoop Dogg et sur la rencontre qu'il a eue lors d'une première partie qu'il a fait justement pour Snoop Dogg. Et l'anecdote j'ai trouvé vraiment pas mal, donc tenez, regardez. Désolé pour le petit bug. J'ai eu la chance aussi de faire sa première partie à une époque, je crois que c'était en 2005 ou un truc comme ça. Donc j'ai rencontré un peu le personnage, fumeur de joint, invétéré. Je vois, il a une nonchalance en fait que j'aime beaucoup. Et puis le mec, il a quand même des sacrés betus, tu vois. Le côté vraiment West Coast, tu vois, les longues baskets, enfin, tout est réussi chez lui. C'est vraiment un mec qu'on a rien à foutre de tout. Et moi, je l'ai constaté en vrai et c'est réel. Le mec, on a vraiment rien à foutre de tout, en fait. Ensuite, on a NASA qui est de retour et il a annoncé la sortie de sa mixtape qui va s'appeler Big Daddy Mixtape Volume 1 et qui sera disponible le 24 juin. Et franchement, la cover, je la trouve grave stylée. Ensuite, on a Sosomanes qui a sorti l'épisode 4 de sa série. Et je viens de finir l'épisode et franchement, c'est une pépite cette série. J'ai hâte de voir la suite personnellement. Ensuite l'équipe, il y a les 4 premiers épisodes de la série Nouvelle École qui est disponible sur Netflix. Et en gros, c'est 24 jeunes qui sont jugés devant SCH, Shai et Niska. Et le vainqueur, il repartira avec 100 000 euros. Personnellement, j'ai pas encore regardé la série et je me pose juste après cette vidéo actu. L'album, il est fini. Ouais, on attend ça, on veut écouter ça. Putain, quel décor, quelle vie. Tu m'invites pas. Non, c'est clair, je vais pas venir. Non, voilà, tu connais, je vais passer, voilà, je vais passer. Moi, je suis là, je suis à Paname, tu connais, voilà. Je suis en train de faire Netflix, ouais. Nouvelle École. On recherche le prochain Nino. Attends, ça m'étonne. Vas-y, viens. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Dans ma zone, et tu connais comme d'hab. Quand les poulets passent, ça crie. Reste tranquille, si y a rage, on rentre dans le tabac. Ouais, la famille, c'est sacré. Qui est là dans les moments de crise? T'as des problèmes, mais c'est là que tu pries. En champion, on vole comme des pros, car on sait que l'État nous voit comme des proies. WZ depuis le berceau, c'est les bruits des boosters qui nous a bercés. Voilà, donc voilà qui se passe en créer ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop tendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour changer référencement. Si t'en penses dans les commentaires, et comme d'hab, si t'as pas une métal en commentaire, tu mets un propre. Alors c'est juste pour référencement. Ouais, vas-y, c'est chill, c'est passé. Au passage, dites-moi dans les commentaires combien il fait chez vous. Parce que moi, en ce moment, c'est vraiment une dinguerie. Il y a de l'orage, un coup il y a de la tempête, et un coup il y a du soleil. C'est vraiment, mais vraiment mélangé. Bref, je comprends plus rien. Ouais, j'ai oublié. Je te dis à sortir pour mes prochaines une vidéo et une en bref, les kings. Des kilomètres pour remonter des kilos de les tartiflettes qui font les guetteurs dans la street. Le 357 va mettre d'accord les petits comiques.
J'ai plein de soupe, je suis plus rapide que bip bip.